Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre agenda, voici les événements que nous vous proposons de découvrir ce week-end. En cette période de débat sur la coexistence entre les différentes communautés religieuses, une soirée de dialogue entre un prêtre et un imam est proposée le 9 octobre à 20h45 en l'église Saint-Pierre du Lac à Montigny-le-Bretonneux dans les Yvelines. Monsieur Brahim Saadan, imam de la mosquée de Plaisir, et le père Xavier Chavanne, curé des Mureaux, dialogueront sur le thème de la miséricorde de Dieu et l'amour du prochain pour les chrétiens et les musulmans. Plus de renseignements au 01 30 43 41 54. Un colloque sur Henri Gaudin, mission et évangélisation, toute une histoire à l'occasion du 70e anniversaire de sa mort. Le diocèse de Saint-Claude organise un colloque donc sur cet abbé le vendredi 10 octobre dès 9h, suivi d'une conférence dès 20h30 sur l'évangélisation et service de l'humain. Tous les détails sont à retrouver sur www.eglisejura.com. Du 7 au 31 octobre, l'église Notre-Dame-des-Champs, dans le 6e arrondissement de Paris, accueillera une exposition autour de François d'Assise, Pierre Teilhard de Chardin et François Cheng de l'Académie française. Cette exposition invite à une méditation inspirée par leurs écrits, poèmes, images et calligraphies. Elle est organisée par l'association des amis de Pierre Teilhard de Chardin. Plus de renseignements à retrouver sur www.paroisse-ndc.com. Le week-end du 18 et 19 octobre, le centre spirituel Notre-Dame de Vie à Saint-Didier dans le Vaucluse organise des journées art et transmission de la foi. Les retraitants désireux d'apprendre à lire les écritures échangeront autour de la beauté du Dieu fait homme. Cette journée est placée sous le patronage de Thérèse d'Avila, la sainte réformatrice du Carmel. Plus de renseignements au www.notredamedevie.org. Après une première étape ce lundi avec une messe en l'église de Saint-Germain-des-Prés, une délégation canadienne de pèlerins est attendue à Tours le jeudi 9 octobre pour ensuite s'envoler pour Rome pour participer à la messe d'action de grâce avec le pape François. Ils célébreront Sainte-Marie de l'Incarnation et Saint-François de Laval en la basilique Saint-Pierre de Rome. Ils foulent ainsi les pas des deux saints qui furent les fondateurs de l'église catholique d'Amérique du Nord. Vous pouvez évidemment vous joindre à eux ou bien suivre leur parcours sur leur site internet www.ecdq.org. Et si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous les faire parvenir par courriel sur agenda@ktotv.com ou à l'adresse postale qui s'affiche. Et on termine cet agenda en musique avec le titre Je veux t'aimer, extrait de l'album Prions en chantant de l'abbé Maoutin. Bienvenue Coupeco, très bon week-end à tous. Je veux t'aimer. Je veux t'aimer, je veux t'aimer, Jésus.